Salut à toutes et à tous, c'est Bilboxer. On se retrouve sur une nouvelle vidéo en compagnie de personne, cette fois-ci, encore une fois. Et là, je vais faire une nouvelle vidéo sur Forge of Empire. Alors, j'ai déjà un compte. Alors, attendez, petite ellipse, le temps que je mette. Re tout le monde, donc du coup là je me suis connecté, là je vais sur un nouveau monde parce qu'on va pas reprendre un monde que j'ai, ça sera un peu cheaté. Là je vais sur donc un nouveau monde. On part de zéro pour bien vous expliquer tous les buts du jeu. Franchement je vous conseille vraiment d'aller jouer à ce jeu, franchement je trouve vraiment. Bon moi je passe parce que je connais déjà. Déjà on évolue un peu vite, hein. Enfin, le départ c'est un peu vite, mais après vous verrez que moi pour l'instant je suis pas en redémarrage, j'ai quand même joué il y a pas très longtemps. Vous voyez, il y a marqué bonus de défense. Alors, bonus de défense, c'est pour améliorer vos défenses. Une puissance, les flots, tout ce qui est ça, ça améliore vos défenses grâce à l'intelligence, le pouvoir de l'attaque. Voilà, vous voyez, vous avez fini pour améliorer. C'est pas dégueu.
soldat. Un trophée. Sorti la bêta, vous aurez pas la bêta, et moi j'étais à bêta tout à l'heure, il y a pas de temps, et là je vous passe la plus la bêta à la 1.0. Donc là, vous l'avez compris. Poterie, voilà. Alors je ferai souvent des vidéos sur jeu parce que franchement c'est un jeu comme une autre qui est plutôt bien, c'est haut, pas du tout. On va chercher des trucs à son niveau, on va voir un petit peu ça. Une deuxième. Parce que le fait que le but des maisons c'est qu'elles produisent. Par exemple, ce que je peux faire, c'est qu'il y a c'est plusieurs pages en fait. Voilà, là je suis à la première page et là la deuxième page. Voilà. Après, aussi, dès que vous pouvez vendre,
pas me déplacer et donc annuler ce qu'on fait. Donc c'est pratique. L'unité la plus utilisée c'est le diamant. Les médailles c'est pour accéder au monument et agrandir. L'exploration victoire c'est 10 médailles. Donc j'en ai 0 pour l'instant. Ça c'est pour payer pour seulement 160 diamants, mais on a trop de début donc c'est déjà pas mal. C'est de faire quand même les quêtes. Donc c'est parti. Donc ouais, il faut infiltrer. Infiltrer, c'est-à-dire infiltrer pour les blesser. Nous perdons que le petit premier cœur là qu'on voit. Ça, c'est leur barre de vie. Tout le temps, la barre de vie. Alors bientôt aussi on débloquera le chalet, donc c'est pour ça que je fais des mises en pilote pour l'instant. Donc vous voyez, les gens sont assez évolués, mais pour lui c'est pas le pire. Vous voyez qu'on peut mettre des mots, alors les mais pas sortir, tourne et tourne, enfin bon, t'as pas fait de la LP. Donc il y en a une fois avec des personnes. Bref, nous, en tout cas, au moins une fois assez. Là c'est 22 000e, bon non, enfin 22 000, oui c'est normal, c'est que le début. Donc là vous voyez le recrutement d'un lancier, on va contrer ça, que j'ai perdu quelques soldats. Donc vous voyez, du coup vous voyez que j'ai conquis tout le territoire et qu'est-ce que ça me fait acquérir, j'ai hacké un territoire entier. Et donc du coup cette petite icône là où il y a des arbres me permet d'avoir des meilleurs trucs quand je construirai par exemple quand je construirai une série, ça me permettrait d'avoir des meilleures offres. Par exemple un jour ça me permettrait d'avoir par exemple 8 arbres, pas 4 ans. On est dans le petit choix, c'est en plus. Alors, par chance. Et alors, oui, aussi. Oui, ouais, moi qui. Ils ont perdu 2 cœurs pendant la bataille. Et ben, en fait, selon les niveaux que c'est, ils récupèrent leur vie par seconde.
c'est par seconde ou par minute, je sais plus. Je crois pas que c'est par seconde grosse. Donc voilà. Donc là, ça fait déjà 15 minutes qu'on tourne. Les petits tutos ne vont pas faire grand chose encore. Je veux bien monter quand je vais me voir si quand je vais, ce sera pas super marrant. On pourra attaquer des mecs là, on pourra les éclater surtout sur le fond de l'armée. Donc là, vous voyez. Un drag, c'est un objet qui attaque loin. Alors regardez, portée qui est en dessous de défense, 12. Portée, c'est très lent quand même. 6 mouvements, c'est pas super parce que c'est assez lourd. Ça attaque pas super, mais ça peut faire pas mal de coups. Et niveau défense, c'est 2 coups seulement. Vous voyez, on a pas de défense, on est débutant, ils vont pas nous attaquer. Ils ont pas de défense. Donc, j'ai pas eu le temps de voir ma mission, donc je passe vite. Moi, je vais réfléchir. Ok, là, c'est là, produire 2 trous frais et avoir un deuxième. Ok, pas dur. C'est simple. Qu'est-ce qu'il y a qui fournit de l'enthousiasme à 26? Parce qu'en vrai, là, en fait, la tête et le chiffre à côté, c'est le nombre de bonheur que ça rapporte. Et là, pour voir le bonheur qui vous manque, si c'est en vert, c'est que c'est bien. Si c'est rouge, c'est que c'est pas bien. Pour ça, c'est rouge, donc c'est pas super. Des marchandises. Les marchandises, c'est ça, les marchandises qui se promet à recruter des soldats et tout. Donc c'est très important et ça sera l'une des ressources les plus importantes avec l'arme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à son argent quand même. Donc voilà, pour dire ça. Je pense que pas d'avancer, c'est plus ça que quand même 18 minutes qu'on tourne. Je pense que c'est aussi. Je pense que c'est un petit gameplay, on va dire. C'est un petit tuto au jeu, du coup, pour vous montrer. Pour l'instant, j'ai plus grand chose à vous montrer. Faut que j'attende quelque chose. Je vous montrerai la partie que j'ai. Vous verrez ce qui est beaucoup plus évolué et beaucoup mieux quand vous aurez vu les choses que. Bah, c'est plus simple. Allez, salut à tous, c'était Vinboxerel.